Et salut tout le monde, c'est Fmika, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière partie d'Amba avec Brentford. J'ai pas beaucoup avancé, comme on va le voir dans le calendrier, puisque je vous ai dit que le plus important c'était les coupes, que le championnat ça allait être très compliqué, du coup on va jouer les coupes, comme je vous l'avais annoncé. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour Chelsea, le 6ème tour de la FA Cup, à domicile, et ensuite le match retour tant attendu et tant redouté aussi, contre le Real Madrid, le match retour du premier tour éliminatoire de la Ligue des Champions. Alors rapidement, ce qui s'est passé après qu'on s'est quitté, je crois qu'on s'est quitté après le match nul contre Aston Villa. J'ai étrié, on va dire, 4 à 1 à l'extérieur QPR, avec un but de Rota, un but de Marco Marine et un doublé de Simone Zaza. Ensuite, on a enchaîné avec une grosse victoire contre Tottenham, 1-0 à domicile, c'était très compliqué. Même malgré le carton rouge, donc l'arbitre nous a beaucoup aidé, mais même avec le carton rouge, c'était quand même assez tendu. On a réussi à tenir le résultat, et c'est un très très bon résultat, sachant que Tottenham est très très bien classé cette saison, et est très très bon cette saison. Et ensuite, une fois n'est pas coutume, une contre-perf après avoir enchaîné un bon résultat contre Swansea à l'extérieur 2-2. Un match qu'on aurait dû gagner, je pense. C'est le genre de match à pas louper en fait en championnat, en Barclays Premier League pour espérer aller le plus haut possible. On s'est fait surprendre dès le début, 16e minute, avec un but de Graziano Pelé. Ensuite, un doublé de Rota qui nous a remis bien juste avant la mi-temps. Donc on était 2-1 avant la mi-temps. Et comme vous voyez, on se prend un but de Jack Cork à la 89e minute. Donc ça, c'est ça aussi, hein, une fois n'est pas coutume. On en a l'habitude de se faire reprendre dans les dernières minutes, et là, à la dernière minute, c'est vraiment rageant, mais bon, c'est des choses qui arrivent. On n'a pas réussi à tenir le score, ce qui nous arrive très très souvent, et c'est ce qui fait qu'on perd beaucoup de matchs, ou qu'on perd beaucoup de points en tout cas. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, la première ligue, c'est pas le plus important. Je vais quand même vous montrer le classement, parce qu'on est pas mal en fait. Hein. On est quatrième avec 52 points. À un point de Manchester United, mais vous voyez qu'on a 30 matchs, donc en fait on a un match d'avance sur Manchester United, un match d'avance sur Leicester, Tottenham et deux matchs d'avance sur Manchester City. Donc Manchester City, je pense, est intouchable. Ça va être très très compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, je vais jouer les coupes à fond, et le championnat, si on doit faire tourner, ça sera en championnat. Mais vous voyez quand même, on est dans le bon wagon. Hein. On voit que Chelsea et Liverpool sont un peu dans le mal. Enfin, c'est surtout Aston Villa qui montre un peu. Donc en fait, on a fait 1-1 contre Aston Villa, c'était peut-être pas une si contre-perf que ça. Puisqu'on voit que cette saison, ils sont plutôt pas mal. Et un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. On a 16 victoires, 4 nuls et 10 défaites. On n'arrive pas à faire des nuls. En fait, vous voyez, au niveau des défaites, on est l'équipe qui perd le plus dans le top 10, en fait. On est l'équipe qui perd le plus. Et ça, c'est un truc assez compliqué. Toutes les fois où on se fait reprendre dans les dernières minutes, les fois où on perd les matchs dans les dernières minutes, ça nous porte vraiment préjudice. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas les épaules, justement, pour aller le plus loin possible en première ligue. Du coup, on va voir un petit peu la coupe, comment ça va se passer. J'espère que ça va pas être trop un carnage. Parce que là, j'ai un peu peur que cet épisode soit, comme vous en avez l'habitude, quand on joue contre les gros, un épisode un peu compliqué. Alors au niveau de l'équipe, est-ce que je l'avais fait Versaceco, mais que le Bartley Bidwell, il me semble que Mamadou Sakho peut pas jouer la coupe, voilà, parce qu'il a joué avec Liverpool. Lemina Odegaard, Thauvin, Kovacic, Iwobi, Zaza. Est-ce que j'ai mis tout le monde? Il y a Andrea Pauli qui revient, mais il est blessé. Enfin, il revient de blessure, du coup, il n'est pas du tout apte. Nasser Chadli, c'est la même, donc on va prendre Alan Hughes. Je vous avoue que j'hésite entre Rota et Kovacic. Parce que, comme vous voyez, Kovacic a une note de 7,18 sur les 5 derniers matchs. Et Rota a une note de 7,56. Et Rota a marqué 7 buts. Kovacic n'en a marqué qu'un. Kovacic, il marque très très peu souvent. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup de passes décisives. Je vais regarder ça rapidement. Mais il a vraiment un déficit devant le but, il marque très très peu souvent. Il a zéro passe décisive. Oh ouais, oh, c'est chaud. Il a mis qu'un but et zéro passe décisive. Voilà, vache. Bon, après, il faudrait peut-être regarder les passes clés. Mais putain, zéro passe décisive, ça fait chier, hein. Alors qu'en bas, Rota a 8 buts et 8 passes décisives. Ouais. Allez, je vais mettre Rota. Je vais mettre Rota parce qu'il faut privilégier la performance au-delà des notes. On va essayer de faire un peu d'être un peu un entraîneur RP, donc un entraîneur réaliste. Quand on a un joueur comme Rota qui casse la baraque dès qu'il joue, eh ben on met titulaire tout simplement. Après Iwobi, j'hésite un peu parce qu'Iwobi est pas bon du tout depuis qu'il est revenu de la CAN. Mais bon, on va quand même lui faire confiance sur ce match-là. Hop, on y va. Parce que là aussi, après, à part Iwobi, j'ai Marco Marine qui est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, 7,70 de moyenne sur les 5 derniers matchs. Il est plutôt pas dégueu depuis que je fais appel à lui de ces derniers jours. Enfin, ces derniers matchs. Du coup, pourquoi pas peut-être mettre Iwobi sur le banc quelques temps, histoire de faire jouer Marco Marine, histoire de faire jouer la concurrence. Parce que c'est un problème que j'ai aussi sur Football Manager, c'est que j'ai du mal à faire tourner. Enfin, je reconduis toujours le même 11 type en fait. Alors quand je regarde d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui jouent, ils font plus facilement tourner.
Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à faire tourner. J'ai un 11 type et j'en bouge jamais, donc il faudrait que je change ça. Alors, la participation de Ryan Woods, Ryan Woods qui s'est blessé, j'en ai pas parlé, mais il s'est blessé pour 2-3 semaines, il me semble. Et du coup, il ne jouera pas contre le Real Madrid, donc ça, c'est quand même une grosse perf, une grosse perte, pardon. Ouais, je vais envoyer l'entraîneur adjoint, j'ai pas trop envie de parler de ça. Alors, au niveau de la compo de Chelsea, Thibaut Courtois dans les cages, Ake, Christensen, De Vrij et Carvajal en défense, Matic, Fabregas, Eden Hazard, Oscar, Cuadrado et Diego Costa à la pointe de l'attaque. C'est la grosse équipe, ils font pas tourner eux non plus, ils ont envie de le gagner ce match, donc on va essayer de déjouer un petit peu leur plan. Je vais jouer en contrée, hein. Je vais jouer en contrée parce que je vous avoue que j'ai un peu peur. Même si on est à domicile, j'ai plutôt peur de prendre une rouste. Du coup, on va y aller tranquille. On va leur dire comme l'entraîneur adjoint. Hop, faites plaisir aux supporters. Alors le son, est-ce qu'il marche? D'accord, il marche pas. Ouais, il marche pas. Je vais remettre les ralentis parce que je sais que ça peut intéresser certains. Du coup, j'ai augmenté la vitesse entre les temps forts. Mais je vais laisser un moment clé parce que j'ai testé quand je jouais tout seul de mettre autre chose que moment clé et il y a trop d'action. Ah d'accord. Il a accepté. Il a accepté. Bon, ben, deuxième minute, but d'Iwobi. Première action, premier but. Putain, on va revoir le ralenti parce que je vous avoue que j'étais pas prêt à ce qu'il y ait un but aussi vite. On voit que c'est Martin Odegaard avec son pied gauche qui est au coup franc. Iwobi, il est complètement seul dans l'axe, c'est incroyable. Et il a juste de la tête, sans trop de pression. Thibaut Courtois. Donc ça fait 1-0 pour Brentford à la maison contre Chelsea. C'est un peu bizarre quand même qu'il soit laissé tout seul Iwobi là-dessus. Surtout qu'Iwobi, le jeu de tête, c'est pas trop son fort. Je sais pas combien quelle taille il fait, s'il est assez grand ou pas. Mais je sais que son jeu de tête est vraiment pas ouf. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a été laissé seul, il a pas été marqué. Mais quand même, même Mimi Mathy, vous l'avez laissé seul là, elle met le but quoi. Donc c'est un peu bizarre de la part des défenseurs de Chelsea. Je pense plus que c'est une erreur de Chelsea plutôt qu'un bon mouvement de notre part là pour le coup. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on va le prendre. Donc là du coup c'est le problème avec les moments clés, c'est qu'on voit pas grand chose. Mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai. Oh non, Iwobi. Oh non, Iwobi, non! Il peut continuer, il a 78%. Une douleur à la cuisse. Ouais, il doit avoir une petite béquille, je pense. C'est un ou deux jours d'arrêt minimum, enfin maximum. Allez, Martin Odegaard pour Rota. Non, il est trop petit, Rota. Florent Thauvin pour Bidwell. Décale pour Martin Odegaard. Ouh, mais que le. Il repasse à Bidwell. Il va pouvoir centrer Bidwell. Il est bon dans ce domaine. Ah, ça revient, Martin Odegaard. Le contrôle. Ouh, la passe. Ouh, c'était pas dégueulasse là. La passe qu'a réussi à trouver Martin Odegaard. C'était pas dégueulasse. C'est bon, on va pas se prendre de compte là-dessus. Donc ouais, Iwobi, je pense qu'il a une petite béquille. C'est un ou deux jours d'indisponibilité. Je pense que je vais les changer à la mi-temps. On va pas prendre de risques. J'ai eu pas mal de blessés cette saison. Si on peut éviter d'en avoir pour la fin de saison, ce serait pas plus mal. Allez, Florian Thauvin. Pour Mario Lemina. Pour Rota. Rota qui est un petit peu seul. Il avait les montées de Badouel là-haut. Ah non, 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 Rota, non! Putain, j'ai dit que t'étais un dieu avant le match là. Mais non, on me fait pas mentir, non. Cuadrado, ah, et du coup Costa qui est tout seul aussi. Il est pas en jeu là-dessus. Ah putain, fait chier, une perte de balle de Rota. Ah, c'était bien la peine que je vous dise qu'il était bon, hein, cet enculé. Putain. Et on va revoir l'action. Est-ce qu'il était hors jeu? Cuadrado, il va faire la passe maintenant. Non, il est pas du tout hors jeu. Hein. Il est pas du tout hors jeu. Et là encore, c'est une erreur défensive. C'est qui? Ah, c'est Barclay qui a un mauvais positionnement. Ça, c'est le problème de jouer avec les défenses trop hautes. Quand on a des attaquants très vifs, très athlétiques, comme Diego Costa en face, c'est un peu compliqué. Mais là, ouais, c'est encore une fois une erreur défensive qui amène un but. Enfin, pour moi, hein, je trouve que c'est plutôt une erreur défensive là-dessus. Une erreur de positionnement. Qu'est-ce que je peux leur dire là? Si on arrive à marquer, ouais, on va mettre ça. On va quand même les pousser un peu. Du coup, je vais enlever Iwobi, mais s'il a 80%, ça me fait. Ouais, c'est le meilleur joueur sur le terrain avec Martin Odegaard. Ouais, on va pas prendre de risque. On va prendre de risque. Ça va peut-être être risqué. Par contre, si vous êtes ça, j'ai envie qu'il se bouge le cul. Il n'y a pas un petit truc à dire là. Je veux que tout le monde que vous êtes à la hauteur. Voilà, on va mettre ça. C'est un peu. Ok, il a paru motivé. Par contre, c'était un peu bizarre de dire ça. Que vous étiez à la hauteur. Le mec, il marque 30 buts par saison depuis qu'il est là. Et on lui dit, bon, écoute, il faut que tu montres que tu as le niveau. Mais on le sait qu'il a le niveau. Limite, c'est plutôt à Brentford de montrer qu'il a le niveau de Simone Zaza pour moi. Mais bon. Ça l'a fait réagir, c'est ça. Mais comme vous voyez, je vous l'ai souvent dit. Mais Simone Zaza, il a beau avoir des stats de malade. À marquer des buts, enfiler les buts comme les perles. Mais là, vous voyez qu'il a 6-4, il est inexistant. Et ça arrive très très souvent. Il se rattrape à chaque fois en mettant des doublés, des triplés.
Mais il y a énormément de matchs où il passe complètement à côté, il est complètement inexistant, donc je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être les milieux qui sont moins en vue, je sais pas du tout, mais là vous voyez qu'il est. Il n'existe pas. Il n'existe tout simplement pas. On l'a pas vu d'ailleurs. Même sur les actions qu'on a eues, je pense que Simon Zaza a pas touché le ballon sur aucune des actions qu'on a vues. Donc c'est un peu compliqué. 6-4, je pense qu'on va le changer. Ça a beau être un joueur très important. Quand un joueur est pas bon, ça aussi c'est un truc que je prends des autres youtubeurs. Qui eux n'hésitent pas dès qu'un joueur a une mauvaise note à dégager, même si c'est un gros joueur. Moi j'avais un peu de mal à le faire. Bon, là Simon Zaza il a 6-40, il est pas bon. On va faire entrer le petit Patrick Cutronet, le joueur qu'on a recruté libre, qui avait été laissé libre par le Milan AC, qui nous avait fait une grosse impression. Je crois qu'il a mis un quintuplé, comme je vous avais montré, mais ça c'était pas en vidéo, il me semble. Mais il a fait bonne impression pour ses débuts. Allez, Mario Lemina, qui va sûrement balancer dans l'axe. Oh, bon, Marco Marine, il est pas en jeu. Oh, la passe de Lemina, en plus, c'est du pied gauche, il me semble. Alors, elle est pas dégueulasse du tout, cette passe, hein. On va la revoir en ralenti. Mais là, il arrive. L'angle est pas bon, par contre, hein. Il arrive à traverser toute la défense et Marco Marine qui fait le bon appel. Et là aussi, encore une fois, attendez, je vais mettre pause. C'est qui? C'est Devrij qui est complètement. C'est un poteau. Devrij, c'est un poteau. Le mec, il est là, il bouge pas. Bon, est-ce que. Là... Ouais, non, là, je veux pas dire que c'est une erreur défensive là-dessus parce que la passe de Lemina était quand même assez lumineuse et assez incroyable. Est-ce que j'ai besoin de les encourager? Non, ils sont bons. Carl Bartley est un peu nerveux. Attendez, je vais mettre pause et je vais lui dire de se calmer un petit peu. Cutronet aussi est nerveux. Bon, Cutronet il est jeune, il a jamais connu le très haut niveau. Il joue contre Chelsea. À chaque fois que je les fais jouer, c'est contre des petites équipes. Là, il joue contre Chelsea. C'est peut-être normal qu'il déjante un peu. Par contre, on voit qu'Odegaard est un peu fatigué, 66%. Et je compte sur lui pour le Real Madrid. Pour jouer contre son ancien club, du coup, je vais un peu le changer. Et je pense que je vais mettre Kovacic à sa place. Je vais redescendre Kovacic à son poste de prédilection. Hop. Et Odegaard qui a fait un bon match. Odegaard qui a fait un bon match. Odegaard, je vous l'ai dit, autant au début je l'ai insulté. Au début je l'ai insulté, je lui ai dit que c'était une merde qui faisait que tomber et tout. Mais je trouve qu'il est en train de s'adapter un petit peu à la première ligue parce après c'est vrai que bon après moi je le connais pas IRL quoi. Beaucoup de monde parle d'Odegaard, mais peu de gens l'ont vu jouer je pense. Et moi je l'ai jamais vu jouer. Attendez là ça va être compliqué là. Lemina il est un peu acculé là. Lâche-le putain. Attendez, plan fin Thauvin. Kovacic. La petite passe pour Marco Marine. Ah, Marco Marine qui a fait du pied gauche, là, c'est pas du tout son bon pied, ça s'est vu. Mais ouais, Odegaard, beaucoup de monde en parle et je pense que personne l'a vu jouer. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vu jouer. Donc, je sais pas s'il est. Je pense pas qu'il soit très physique et tout. En plus, il est jeune, donc normalement, physiquement, il est pas là. Attention, Cuadrado. Cuadrado côté gauche, l'accélération contre la frappe. Ok, c'est complètement raté. Niveau physique, IRL, il est peut-être pas là, mais dans le jeu, voilà, moi, j'avais un peu de mal avec lui parce qu'il tombait beaucoup dans les duels, il était jamais présent, il avait pas beaucoup d'impact. Et là, je trouve qu'il est en train de s'adapter un petit peu, il est en train d'étoffer son niveau de jeu, d'étoffer son, voilà, son physique, etc. Et il est en train de devenir plutôt intéressant. Bon, après, à 60 millions, il a intérêt de devenir intéressant, parce que je vous avoue que je me peux passer pour un pigeon en l'ayant acheté. C'était un petit kiff que je me suis fait. Mais là, il est en train de, peut-être pas de justifier le prix de son transfert, mais de justifier qu'on se soit intéressé à lui. Allez, bien joué les gars, c'était parfait. On va Simé Vrsaljko à 8 de moyenne. C'est qui l'homme du match? Il est même pas chez nous? Ok, il est pas chez nous. 8 de moyenne pour Vrsaljko. 7-5 pour Martin Odegaard, c'est le deuxième meilleur joueur. Avec Marco Marine qui a mis son petit but. Et du coup, l'homme du match, c'est qui? Je suis un peu curieux de voir ça. C'est Cuadrado avec 8-1. Il fait 6 passes clés. Ok. D'accord, ça me va. On voit que Chuba Akpom fait partie des meilleurs buteurs. L'ancien Gunners, là aussi. Ok, donc là déjà, on a sauvé l'honneur de cet épisode. Je vous avoue que j'avais peur de me prendre deux branlées. Douleur à la cuisse. C'est pas une béquille. Responsable des kinés s'est blessé suite à un mauvais tacle au cours du match. Une douleur à la cuisse. D'accord. Donc le mec, il a juste une douleur à la cuisse. Mais putain, mais c'est pas un diagnostic, ça. Richard Clark. Tu peux pas faire mieux? Je te paye 10 000 euros par mois pour que tu me dises qu'il a mal à la cuisse. Putain. Putain, mais c'est quoi ces docteurs, là? C'est pas des kinés, ça. Vous avez pris le dessus sur Carlos Ancelotti. Ouais, j'ai pas trop envie de tacler, surtout le petit Carlo, qui est un peu un gars sûr dans le milieu du football, donc on va se calmer. Le conte de fées continue. C'est vrai que du coup, on a échappé à un match retour, donc ça c'est très très bon. On a eu la chance de jouer à domicile. Hein. Le conte de fées continue avec de nouveau une victoire de vos joueurs. Vous devez être très heureux de ce résultat et de vos prestations dans cette compétition. C'est un super résultat. Pensez-vous que le but inscrit en début de rencontre d'Alex Iwobi a été déterminant? Marquer tôt dans un match est toujours cool. Pensez-vous que le but... Putain, mais oui, ce genre d'événement est toujours cool. Vous estimez-vous moins chanceux de tomber sur Cuadrado?
Je l'ai trouvé bon, mais pas plus que 5-6 joueurs. C'est vrai que moi, Cuadrado, je l'ai pas vu. Bon, il a fait une chevauchée qui a fini avec une frappe un peu dégueulasse. Mais je l'ai pas beaucoup vu dans le match, donc je trouve ça un peu étonnant qu'il ait été homme du match, mais bon. C'est aussi le fait de jouer avec des moments clés. On voit pas tout le match. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé tester de faire aussi. Par exemple, les gros matchs, les finales ou quoi, les voir en entier. Je sais pas si ça peut être intéressant. Bon, après, je pense que ça va être très vite chiant. Ça peut être très vite chiant. Mais je sais pas, ça m'était trotté dans la tête de faire, par exemple, les gros matchs. De voir tout l'action, enfin tout le match en entier, et de le commenter comme un commentateur sportif, quoi, comme à la télé. Je trouverais que ça pourrait être sympa comme format. Mais après, voilà, voir un match en entier, est-ce que ça serait vraiment cool à regarder? Je sais pas trop. Et Leicester qui conforte sa deuxième place avec une victoire contre West Bromwich, un but de Suso et de Meret, je connais pas. J. Meret, Georges Meret. Ok, 21 ans, plutôt pas dégueulasse, il vient d'où? Ce petit espagnol, ok, il était à Leicester. À Liverpool, d'accord. Le Sporting Gijón, ensuite Liverpool. Ah, il est prêté à Leicester depuis 3 ans. Ok. Ok. Du coup, nous, on passe. Et là, on va affronter l'ogre madrilène, le Real Madrid. Et là, ça va être une autre histoire. À l'extérieur, ça va être plus compliqué. Chelsea a peut-être le niveau du Real. Mais on a l'habitude de jouer Chelsea. On connaît un petit peu leur jeu. On connaît un petit peu ce qu'on est capable de faire contre eux. Là, le Real, je vous avoue que on a fait un bon résultat à l'aller. Ça va être plus compliqué au retour. Je pense que si on s'en prend 3 ou 4, ça serait pas une surprise. Allez, on va tirer les équipes comme ça. Du coup, on peut tomber contre Aston Villa, City, Liverpool. Ouais, attention, il n'y a que des gros. Hein. Limite, j'aimerais tomber contre qui là? Contre Tottenham qu'on a déjà battu. D'accord. Eh ben, on va se taper Liverpool. On va se taper Liverpool. Liverpool qui, je crois, on a un passif avec eux qui est pas notre avantage. Attendez, je vais regarder un petit peu le calendrier. Alors, on a joué Liverpool quand? On a joué Liverpool. Attendez, je remonte tout en haut histoire de rien rater. On a joué Liverpool ici, on a perdu 2-1 à domicile. Ouais, ça avait l'air plutôt serré dans l'ensemble. Je regarde le match retour si on l'a déjà joué. Il est ici. Et on a perdu 1-0. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais été vraiment. Ah, à la 88e en plus. Hein. Comme je vous l'ai dit, les fins de match. On n'a jamais été vraiment malmené par Liverpool. Ah, on va les rejouer. Ah ouais, c'est la demi finale. Ouais, on n'a jamais été vraiment malmené par Liverpool. Il faut ah, en plus, j'allais dire, il faut espérer qu'ils jouent quelque chose en championnat pour qu'ils fassent tourner. Mais comme on l'a vu, Liverpool fait partie des lâchés avec Chelsea. Enfin, des lâchés, des déceptions, on va dire. Ouais, là, on va travailler défensivement. Attends, je vais regarder le truc. La première ligue. Ouais, Liverpool est 9e. Liverpool est 9e. Donc, il faudrait peut-être espérer qu'ils soient dans la course pour l'Europe. Et dans ce cas-là, ils pourront peut-être faire tourner. Mais. C'est un City qui est toujours devant avec 2 matchs de retard. Enfin, ils peuvent prendre. Ils ont potentiellement 6 points à prendre. Ils seraient à 7 points de Leicester. Et on voit West Bromwich, 10 points dans la saison. Putain, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué pour eux. Alors, le joueur de Brentford dans l'équipe type de la semaine, David Ospina. David Ospina, j'ai un peu insulté. Que je vous avais dit, j'étais un peu. Ça me fait un peu déçu d'Ospina et que. J'étais un peu dégoûté de pas l'avoir remplacé au mercato d'hiver. Finalement, il finit dans le meilleur gardien de la semaine. Szymielewicz, lui, c'est un habitué sur le côté droit. Et Rota, comme je vous l'ai dit. Rota qui. Putain, comme je vous l'ai dit, si vous vous rappelez, quand on était en deuxième division et qu'on montait en première division, je vous ai dit, j'ai des doutes sur Rota. Physiquement, il est pas prêt. La première ligue, ça va être très compliqué. Et finalement, il me fait fermer ma gueule, hein. Il me fait fermer ma gueule parce qu'en première ligue il a eu 7,34 en 31 matchs et là il a 7,25. Autant de buts, autant de passes décisives. Enfin, ce mec-là me surprend de plus en plus. Les supporters de Brentford optimistes, putain, vous êtes bien les seuls. Alors, la conférence, votre équipe a déjoué tous les pronostics en allant aussi loin en Ligue des Champions. C'est vrai que ça aussi, il faut le rappeler. Arriver au premier tour de Ligue des Champions, c'est déjà bien. Il faut savoir que c'est la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Dans toute l'histoire, c'est jamais arrivé. On a réussi à sortir des poules, avec une poule assez compliquée, avec de mémoire Romain, Schalke, et le dernier, je m'en souviens plus, il me semble que c'était le Benfica. Non, pas le Benfica. Putain, il me semble que c'était un Portugais. Attendez, je vais revoir. C'était qui, putain? Attendez, c'est où? Il y avait la Roma. Ah, Benfica. Bah oui, c'était Benfica. Benfica Lisbonne. Donc on est sorti d'un groupe assez compliqué. Toutes les équipes de ce niveau peuvent espérer y arriver. Lors de cette rencontre, Martin Odegaard va fouler la pelouse. Ça, ok. Après, vous êtes incliné à domicile. Je me suis incliné à domicile. Pardon? Vous êtes incliné à domicile. Attends, on n'a pas vu le même match. On n'a pas fait 0-0? Si. D'accord, bon, mais je me suis incliné.
Un bon jeu, ça, en tout cas. Faudrait penser à le finir avant de sortir les jeux, les gars. Je suis confiant qu'on va sortir mon plan. Moi, je vais pas dire qu'on va se prendre une branlée. Hein. Je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça aux journalistes, mais j'en pense pas moins. Fumika espère progresser. Bien sûr qu'on va progresser. Mais là, le truc, c'est que je vous l'ai dit, j'aimerais changer de club, mais je m'attache de plus en plus à ce club et à ce que j'ai réussi à construire avec ce club. Et du coup, ça me fait chier de partir. Je sais pas comment expliquer ça. Ça doit vous faire aussi, hein, quand vous vous dites vous avez un plan de carrière sur FM. Oh la vache. Vous avez un plan de carrière sur FM, vous dites voilà, je veux changer de club dans 2 ans, mais après vous attachez au club, à ce que vous arrivez à faire, et vous vous dites putain, ça me fait chier de partir. Alors que là, on voit que l'Atlético Madrid a mis un 2-0 à domicile contre Sporting Portugal, couplé avec le 1-0 du match aller, ça fait 3-0, net et sans bavure. Et là, on voit que le PSG a enculé Manchester United, il n'y a rien à dire. Ils les ont enculés, 5-0 au parc, alors qu'il y avait eu 2-1 à Manchester United. Là, je vais regarder un petit peu l'équipe du PSG, l'équipe type en tout cas. Histoire de voir un peu, mais ils ont l'air un peu. Ils ont l'air énervés. Ils ont l'air énervés. Kurzawa, Marquinhos, Willian Carvalho, Mario Fabian. Enfin, ils ont beaucoup. Ça, c'est la filière portugaise. Hein. Rulli, Kranevitter, Verratti, Lewin, Öztunali. Je connais pas du tout. Öztunali. Ouais, il a pas l'air dégueulasse, mais il a pas. Je sais pas, il m'impressionne pas trop. Di Maria, Cavani et Dybala. Ok, il y a Kingsley Coman, Thiago Silva, Lucas Moura, Matuidi, David Luiz, Pastore, ouais, il y a du monde. Ils sont premiers de Ligue 1, est-ce qu'ils sont premiers de beaucoup? Parce que je sais que ça peut intéresser du monde aussi de faire le tour des championnats. Donc je ferai ça en fin de saison, je pense. Ouais, ils sont en bataille avec Monaco, hein. Par contre, après, derrière, c'est lâché. Derrière, c'est lâché, mais ils sont en bataille avec Monaco. On sait jamais. Peut-être que le Paris Saint-Germain va chuter dans l'Hexagone en France. Par contre, en Ligue des Champions, ils ont l'air bien partis pour tout écraser. Donc ouais, le PSG c'est clairement pas notre niveau. Hein. Je pense que si on tombe contre eux, quand on voit que United les a. Enfin, United s'est fait dérouiller. J'aimerais pas tomber contre eux. Du coup, aujourd'hui, au programme, Bayern Munich contre Galatasaray. Le Bayern avait gagné 1-0 en Turquie. Et nous, on affronte le Real. Qui risque un match très compliqué. De Boer, j'ai jamais su comment prononcer. Entraîneur de Swansea. En plus, on a affronté Swansea sans entraîneur, hein, quand on a fait 2-2. Donc ça fait un petit peu chier. Mais bon. On en a l'habitude. Du coup, Alexis Iwobi qui doit partir. Nasser Chadli qui est pas assez remis parce que c'est lui qui serait. En vrai, c'est pas Marco Marine, hein, c'est Nasser Chadli. Nasser Chadli qui a été vraiment je pense, le flop du mercato. Mais c'est pas de sa faute, hein, c'est juste il a été blessé dès le début. Il a enchaîné les blessures. Il doit avoir une note en blessure assez dégueulasse. Mais bon, ça, je pouvais pas le savoir. Du coup, Marco Marine va prendre la place ici. Rota qui a 90%, est-ce qu'il est apte à jouer ou pas? Il est prêt à jouer. Là, je vous avoue que j'hésite. Hein. Je vous avoue que j'hésite. Autant je l'ai fait jouer contre Chelsea. Autant là, contre le Real. Putain, je sais pas si je fais jouer Kovacic, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on privilégie la performance ou on privilégie le joueur? Ouais, c'est chaud. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Rota sort d'une équipe type de la semaine, ouais. Bon allez, on va faire un choix fort. On va le maintenir. On va le maintenir en poste numéro 10. Parce qu'il a été bon, donc ça serait un peu injuste pour lui de se faire écarter de ce match. C'est Kovacic qui en fait les frais. Cristiano Ronaldo, le légendaire ailier, en est à 7 passes décisives en 39 matchs. Šimi Vrazaljko, le robuste arrière latéral, est une pièce maîtresse dans la défense de Brentford. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire du Real Madrid sur ce match. Cette équipe a suffisamment de talent pour ne pas être mise en danger par Brentford. Alors que tout reste à faire après le résultat nul du match aller, les joueurs du Real Madrid auront l'avantage d'évoluer devant leur public. Et je suis assez d'accord avec cette petite analyse. Que pensez-vous de la décision de Manchester United de se séparer d'Unai Emery? M'en fous, allez vas-y entraîneur adjoint, fais-toi plaisir. Alors, Navas dans les buts, Marcelo, Varane, Nkoulou, Danilo. Donc du coup, je pense que c'est comment il s'appelle? Sergio Ramos qui est suspendu. On a vu qu'il avait eu un jaune avant au match aller. Je pense qu'il est suspendu vu qu'il est même pas dans la feuille de match. Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Gonzalo Guedes et Karim Benzema. Sur le banc, on voit Areola, Bernat qui, je sais pas si vous le connaissez. Moi, IRL, je le connais pas du tout. Je l'ai jamais vu jouer. Mais dans le jeu, si vous jouez avec des latéraux offensifs, Bernat c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie en poste de latéral offensif. Je sais pas s'il y a mieux dans le jeu. Latéral offensif gauche. C'est vraiment une machine. Moi, dès que j'avais joué avec lui, c'était une boucherie.
Mais après, le prix, voilà, le prix doit être assez balèze. Calme. Il me demande de faire quoi? Quelques grands sont capables de créer la surprise. Bonne chance, les gars, vous en aurez besoin. Là. Ça, c'est un peu les mecs, je les envoie à l'abattoir. Bon, on va faire parler les supporters encore une fois. Ok, ça bat les couilles. On va jouer en contrée là aussi. Oh, par contre, j'hésite à baisser la ligne défensive, à la mettre en normal, parce que là, ça va aller très très vite en face, côté Real. Et si la défense est trop haute, on risque de se faire prendre des contres à tir larigot, à l'appel. Je sais pas si à tir larigot ça se dit dans toute la France, mais bon, vas-y, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça, de toute façon, on n'attend rien d'autre que sauver l'honneur. On va pas se le cacher. Juste sauver l'honneur, ça sera bien. Il faudrait pas qu'on prenne un but dès le début, par contre, avec Gonzalo Guedes. Côté droit, le centre, ok, Bartley qui s'interpose, et normalement ça devrait s'arrêter là. Voilà, ça j'aime bien. Quand les actions s'arrêtent, qu'il se passe rien. Dans ce genre de match, de toute façon, quand il se passe rien, je suis content. Autant quand je filme pour YouTube, ça me fait chier qu'on voit rien, qu'il se passe rien pendant le match, autant là, ça me fait plaisir. Et un jeune pour Luka Modric, ou Luka Modric, parce que je dis Luka, mais en croate, je pense pas qu'on dit Luka, je pense que c'est Luka Modric. Mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. 10e minute, ils ont eu qu'un tir. Un tir partout d'ailleurs. Ils n'ont pas cadré nous non plus. On a la possession du ballon, même si ça, on sait que ça sert pas à grand chose. Et même IRL, hein, IRL, la possession du ballon ça sert à rien. Je l'ai vu avec qui j'ai vu un match il y a pas longtemps. Putain, je sais plus avec qui c'était. Parce qu'en fait, moi je fais beaucoup de. Enfin beaucoup. J'aime bien les paris sportifs. Et en cette début de saison, putain, je me fais que me faire niquer mes paris. Je crois qu'hier, il y avait quoi? Il y avait Porto, qui a été à 10 contre 11 pendant toute la deuxième mi-temps, qui a eu un but refusé pour hors-jeu, qui a pas réussi à battre la Roma. Il y avait eu un CSC aussi. Le but de la Roma, c'est un contre son camp de Porto, donc là, je suis assez dégoûté. Bon, on va revenir au match pour une fois qu'il y a une action. Navas qui balance loin devant. Ah, Ronaldo qui saute plus haut. Ça paraît logique. Danilo, ouais, Gonzalo Guedes qui est parti tout seul. Voilà, ça sent le petit but, ça. Eh ouais. Ça sent le petit but. C'était sûr. Ils sont trop rapides sur les côtés. Beaucoup trop rapides. Et Cristiano Ronaldo qui est un peu à l'image de ce qu'il a fait à l'Euro avec une tête sans. Il était pas hors jeu là-dessus. Boum. Allez, sans pression. Attendez, attends. Je vais le revoir parce que s'il est pas hors jeu, il est vraiment pas loin. Et là, on voit que ça part dans le corner de notre part. Hein. Bon, ça, c'est pas grave. On a l'habitude. Attendez, je vais juste regarder. Hein. Je sais que c'est chiant. Partez pas. Ça va bien se passer. Gonzalo Guedes. D'accord, là je suis bien avancé là. Là ça fait plaisir. Caméra TV? C'est ça la caméra TV? 2D? Pourquoi ça change pas? Ah non, mais c'est les ralentis que je suis en train de regarder, merde. J'étais quoi du coup? Réalisateur? Hop. Du coup, faut que je change ça en fait. TV? C'est pas évident. C'est pas évident, je sais plus si les hors-jeu, je crois que c'est le corps, hein, c'est pas les pieds. Hein. Ah, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais bon. On va dire qu'il est bon. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Il est bon. Hein. Il est bon et ça fait chier. Du coup, je sais pas si je donne l'ordre de. Cristiano Ronaldo a prouvé qu'il était efficace dans le mana-rien, ouais, mais bon, ça, je peux rien y faire. Bon. On n'arrive pas à frapper au but, je vais essayer de tirer plus souvent. Bah alors c'est de grosses patates de l'extérieur de la surface, c'est un peu la chance du. Enfin c'est un peu la dernière chance on va dire, quand on sait pas quoi faire, on frappe. Faudrait peut-être que je baisse la ligne défensive, comme je vous l'ai dit. Cristiano Ronaldo. Ah oui. Ah putain de merde. Bon ben ça on n'a pas fait illusion bien longtemps. Hein. On n'a pas fait illusion bien longtemps. Ronaldo est en train de nous mettre la tête sous l'eau. Un coup franc comme il en a l'habitude. Ospina qui plonge bien, je crois qu'il la touche en plus. Mais il n'a pas eu la main assez ferme. On sait que Ronaldo, il aime bien frapper ses coups francs en mode gros bourrin. Et c'est passé, putain, ça, c'est le match auquel je m'attendais. Hein. Putain, mais je vais me prendre combien là? Les actions, elles s'enchaînent, je vais me prendre combien? Ah, ça va être terrible. Hein. Raphaël Varane. Pour Modric. Danilo qui va lancer Guedes parce que Badouel fait le pressing, voilà. Très intelligent ça, Badouel, c'est bien. C'est bien Badouel. Bien joué Verzachko. Bon, ça va revenir sur la gueule, mais c'est bien joué l'interception. Ronaldo. Bernardo. Putain, pour une fois qu'Ospina fait un truc, putain, ça va nous revenir dessus. Toni Kroos. Modric. Marcello.
Faut faire attention à Marcello. Ok, c'est bon. Thauvin qui s'est bien mis entre Marcello et le but. Toni Kroos. Oh putain, ça va être compliqué. Ospina, il est pas du tout sorti de ses buts. Hein. Il a pas l'air. Je crois que c'est le genre de match où. Oh putain, c'est le genre de match où il fallait un gros gardien. Où il faut un gros gardien. Et bon, après, c'est pas de sa faute. Hein. Ça, c'est aussi un problème que j'ai avec mes latéraux. Je sais pas comment ça se règle. Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais vous voyez, sur le but, en fait, Badwell, il va au pressing. Et il laisse Gonzalo Guedes seul dans le dos. Avec un boulevard. Et je sais pas comment remédier à ça. Est-ce qu'il faut que je fasse moins de pressing sur les latéraux? Franchement, je sais pas. Bon, là, c'est un peu compliqué. Je vais mettre agressif. Et je vais leur dire de se bouger le cul. Normalement, ils devraient bien le prendre. Rota qui est démotivé. Vas-y, Rota. Pff. Ouais, vas-y, tu dégages. Ouais, les mecs démotivés, j'en veux pas. Allez, tu bouges. Tu m'as saoulé. Je t'ai donné ta chance. Je te dis de te bouger le cul, t'es pas content. Eh ben, tu dégages. Tu dégages. Bon, là, il faudrait que j'enlève les tirs de loin. Parce que on fait des tirs de loin, c'est bien, on n'encadre aucun. Parce que c'est comme je vous l'ai dit, hein, on n'a pas beaucoup de tirs de loin. On n'a pas beaucoup de bons tirs de loin. Putain, mais Simone Zaza, le jour où il fait un bon match, enfin, c'est dur de dire ça, hein, parce qu'il a des stats de ouf. Hein, et putain, il est inexistant. Bon, après, ouais. Après, c'est compliqué d'être existant dans un match comme ça où on va se prendre une branlée. Mais putain, c'est être aussi inexistant que ça, c'est chaud. Hein. Ah, Badouel, il se fait complètement déposer. Ok, c'est bon. Non, putain, Badouel, mais non, mais non. Oh putain, mais j'en ai marre de prendre des buts comme ça. Si vous saviez le nombre de buts que je me prends. Oh putain, mais sans déconner, le nombre de buts que je me prends où c'est mon défenseur qui fait la passe. Mais sans déconner, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Mais à quel moment t'es un footballeur professionnel? Ton métier, c'est de jouer au football. Tu joues en première ligue. T'es quatrième du championnat. À quel moment tu peux faire ça? Putain, mais ça n'existe pas, ça. Même moi, je fais pas ça quand je joue avec mon petit cousin, putain. Allez, Martin Odegaard, on croit. Putain, on croit rien du tout. Hein. Oh là là. Oh putain, j'en ai marre. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Non, Ronaldo, casse-lui les jambes. Non, non, mais arrête de lever le bras. Non, ça se joue pas avec les mains. Gonzalo Guedes. Modric. Bernardo Silva qui est tout seul. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Oh. Eh, mais je vais me prendre un 7-0, ça va. Ça sera même pas étonnant. Ça sera même pas étonnant. Ah putain, Simone Zaza, 6-2, il est infâme. Il est puant. Simone Zaza, il est puant. Ah putain, et Odegaard a pris un coup. Oh, mais j'aurais même pas assez de changement pour virer tous les tocards. Là, je vais devoir enlever Odegaard. En plus, j'ai Haywood qui est pas là, du coup, j'ai personne à faire jouer. Je vais devoir faire jouer Alan Hughes en Ligue des Champions, là. Ah, mais what the fuck, quoi, oh, putain, c'est un cauchemar. On va descendre Kovacic. Et en plus, j'ai personne pour faire sortir Zaza, qui est dégueulasse. Zaza est puant et j'ai personne pour faire sortir. Puisque Iwobi est blessé. Parce que Cutrone n'est pas admissible. Allez, on va sauver l'honneur là-dessus. Moi j'y crois. On y croit tous ensemble. Kyle Bartley qui va remonter le ballon avec Lemina. La petite passe. Pour Alan Hughes. Le mec qui touche un demi-million d'euros par mois. Alors qu'il pue la merde. Allez, Simone Zaza, tu l'as vu? Tu l'as pas vu, c'est pas grave. Allez, Simone Zaza, fais-moi mentir. La frappe. Dégueulasse. Dégueulasse. Ça, autant ça allait en lucarne, autant il n'y avait aucune chance qu'il le mette celui-là. Ouais, Badwell aussi qui. Ouais, c'est pour lui le but. Hein, il se fait complètement bouffer par Guedes. Il se fait complètement bouffer par Guedes. Vas-y, je vais me mettre agressif. Et je vais en demander plus à Simone Zaza. Parce que là, c'est dans ce genre de match en fait où notre gros joueur, Simone Zaza, le mec qui a le plus d'expérience, qui a joué à la Juve quand même. Hein, c'est pas n'importe qui. Enfin, c'est dans ces moments-là qu'il doit monter l'équipe, il doit porter l'équipe. Et là, il est en train de couler avec elle. C'est le deuxième pire joueur avec notre capitaine Badwell. Après Badwell, hein, comme je vous l'ai dit, ouais, il se fait complètement bouffer hein, sur son côté par Guedes. La petite paire Danilo Guedes, je crois que tous les buts sont venus par là. Bon, il y a eu un coup franc. Putain, si je me souviens tous les buts. Ouais, il y a eu un coup franc. Ah oui, en plus c'est Badwell qui fait la passe de connard là. Qui fait la passe décisive à un mec du Real. Ouais, c'est normal qu'il soit dégueulasse alors. Ouais, j'avais oublié ce petit détail. C'est lui qui se fait complètement bouffer par Guedes côté gauche sur le premier but. Ensuite, il y a un coup franc, on peut rien y faire. Et ensuite, c'est lui qui fait la petite passe décisive au Madrilène. Ouais, match à oublier. Match à oublier pour Jack Badwell. Jake Badwell. Allez, on sait jamais. Sime Vrazajko. Thauvin. Vrazajko, il va pouvoir s'entraîner. Il passe à Thauvin sur son pied gauche. Thauvin qui va. Ah, je pense qu'il va frapper, non. Pour Badwell. Allez. Kovacic, oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Badwell qui s'est repris une belle passe. Et Kovacic, comme je vous ai dit, qui marque jamais. Eh ben lui aussi, il me fait fermer ma gueule.
On voit la passe de Thomas. Là, Thomas, je pensais vraiment qu'il allait le jeu perso. Il a fait une très bonne vision du jeu. Maduel qui a vu l'appel de Kovacic. Kovacic qui se pose pas de questions. Il reprend le ballon. Petit filet opposé. Ça fait 3-1. C'est pas dégueu. Attendez, je vais leur dire quand même d'encourager. Moi, j'y crois pas. Putain, ils sont tous furieux. Arrêtez, calmez-vous. C'est bon. Arrêtez. C'est un match de football, c'est tout. Qui je vais changer là? Badol qui s'est bien repris. Ouais, celui que je dois changer, c'est Zaza, mais j'ai personne pour le changer. Du coup, on va pas le changer. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Florian Thauvin qui est infâme. J'ai personne pour changer. Putain, j'ai personne pour changer personne. Ouais. Kate Barté qui est pas bon. J'ai personne. Bon, ben on va rester comme ça, les gars. Hein. On va rester comme ça. Hein. Putain, les blessures, ils m'ont pas épargné cette saison. Les blessures m'ont vraiment pas épargné cette saison. Bon, au moins on arrive à sauver l'honneur. Franchement, je pensais qu'on allait, vu comment c'était parti, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pensais qu'on allait se prendre une vraie branlée. Au final, ça va. Le mec il est content de. Oh putain, Huge, cette passe, elle est. Wow. Wow, elle pique les yeux. Et Ronaldo. Ouh, Ospina qui s'interpose, c'est bien joué ça, Thauvin. Oh putain, il se fait pousser par Bernat là. Allez. Voilà, bien joué Thauvin, casse-lui les jambes, putain. Ah putain, c'est. Ouais. On s'y attendait, hein. Je vous avoue que dans un petit coin de ma tête, j'osais rêver à l'exploit. Je me suis dit, on sait jamais, on vole le match, un petit 1-0 dégueulasse. Eh ben, ça arrivera pas, hein. Le Real Madrid, ben, c'est le Real, hein. Ils nous ont dérouillé. Au moins, on a battu Chelsea. Défaite 3-1 à Santiago Bernabéu. On a réussi à marquer un but là-bas. Je vais pas les accabler, hein. Je vais leur dire que. Qu'est-ce que je vais leur dire d'ailleurs? Ce n'est pas le match que nous voulions, mais ils ont fait un très bon match. Nous n'êtes toujours pas un favori, vous avez tout donné, on va leur dire ça. Parce qu'on peut pas trop les blâmer, hein. On vient de. Il y a 2 ans, on était en deuxième division. Là, on se retrouve contre le grand Real Madrid, qui sera sûrement un des favoris pour la victoire finale. Donc. Et on voit que le Bayern, comme attendu, qui a étrié Galatasaray. 4-0, 5-0 avec le résultat du match aller. Robert Lewandowski, triplé, qui est toujours au Bayern d'ailleurs, du coup. Ouais, qui fait partie des meilleurs attaquants du jeu, même si là il joue pas beaucoup, hein, il joue pas beaucoup. Mais je crois que Robert Lewandowski, c'était sur le FM 2015, c'est le joueur qui m'a marqué le plus de buts dans tous les FM confondus en une saison. Il avait marqué 60 buts, je crois. Ça, ouais, je crois que c'était 60 buts toutes compétitions confondues. Enfin, c'était incroyable. Après, il tirait les pénalties, mais c'était incroyable. La très belle série de Brentford s'est terminée sur une défaite face au Real Madrid aujourd'hui. Quelle est votre réaction? On peut tous être fiers. Vous sortez de la compétition avec cette défaite. Non, je ne suis pas trop déçu, cette épreuve de toute façon pas. Non, ça c'est. On dit souvent qu'il n'y a pas de match facile de nos jours, mais nous avions toutes les chances de notre côté. Je ne suis donc pas particulièrement ravi. Voilà, je ne veux pas trop en parler. Personne n'a manqué cette but. On ne fait pas mieux. Voilà, on va sucer un petit peu la bite de Ronaldo, on ne sait jamais. Sur malentendu, ça peut servir. Du coup, petit récapitulatif de cet épisode, on a réussi à battre le Chelsea à domicile à Dan. À Den, pardon, The Den, le stade de Millwall qui nous prête gentiment le temps que notre stade soit en réparation, en agrandissement plutôt. Donc on a battu Chelsea 2-1. Au moins, on aura quelque chose à jouer parce qu'on a la demi-finale de FA Cup. Donc au moins, la fin de saison n'est pas foutue. On a encore une chance de trophée. Et ensuite, contre le Real, hein, 3-1, sans réelle bavure, on va dire, pas trop d'espérance de notre côté. Même si je vous l'ai dit, dans un coin de ma tête, je rêvais, pourquoi pas, un petit 1-0, on sait jamais, les matchs dégueulasses, ça arrive. On s'en prend dans la gueule, pourquoi on peut pas en mettre? On sait jamais. Bon, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Du coup, en première ligue, est-ce que des matchs en retard ont été joués? On retrouve 5e. On a un match d'avance contre United, par contre. Mais on est toujours dans la course pour l'Europe. Donc, on sait jamais. Après, je suis quand même assez fier de notre saison. J'ai un effectif assez limité, et on a réussi à atteindre tous nos objectifs. Que ce soit en FA Cup, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en première ligue. On est présent sur tous les tableaux encore et c'est plutôt satisfaisant. Du coup, prochain épisode, je sais pas quand on va se retrouver. Je pense qu'on va se retrouver pour la demi-finale. Hein. Alors, en plus, c'est Manchester United, putain. Mais en fait, j'en ai marre de jouer les gros matchs dans un épisode parce que après, vous voyez que dans tous les épisodes, je me fais fesser en fait. Et vous vous dites, putain, mais il pue la merde. Mais ouais. Mais en fait, regardez les équipes que je joue à chaque épisode. C'est pas Riri Fifi Loulou quoi. C'est des mecs qui rigolent pas. Du coup, prochain épisode, je pense qu'on va jouer Manchester United. Qui est notre concurrent direct au classement. Je sais pas s'ils seront encore à cette période-là, mais on verra. Du coup, on va jouer Manchester United le prochain épisode et on enchaînera avec la demi-finale de l'FA Cup contre Liverpool sur un terrain neutre. Ouais. La demi-finale commence ça commence à être sur terrain neutre. À Wembley, ok.
Du coup, voilà, une équipe de Liverpool. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop chiant ou quoi, comme d'habitude. N'hésitez pas à me poster en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez des choses à dire. Vous en avez l'habitude maintenant. Merci d'avoir suivi, d'avoir été là. Et je vous dis du coup à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde.